À Option Région, aujourd'hui, on reçoit Léandre Bergeron, qui est un ancien professeur d'université qui a décidé de s'en aller dans un rang en Abitibi, qui a écrit le dictionnaire du parler québécois, puis toutes sortes d'autres volumes. On va parler également en actualité de véhicules électriques et on va parler aussi d'institutions financières qui s'occupent de faire une meilleure vie pour l'ensemble des citoyens les plus démunis. Et c'est comme ça que ça commence. En l'actualité, on parle de l'électrification des moyens de transport. Moi, j'ai toujours été sympathique à tout ce qui s'appelle moteur électrique parce que d'abord, c'est des très bons moteurs, ça dure longtemps. Puis, surtout au Québec, on a beaucoup d'énergie. J'ai été un des premiers à avoir une auto hybride, puis j'ai une auto rechargeable maintenant, puis je suis très content de ça. Mais il faut aller plus loin que ça. Et on est en train de développer toute une série là, de véhicules électriques au Québec. Puis, ça va avoir pris du temps parce qu'entre autres, je me rappelle, quand on a fondé le Festival de l'environnement ici à Delbault-Mistassini dans les années 90, on avait fait venir un inventeur, M. Deshaies, qui avait fait le premier autobus électrique. Ça, on devait être à peu près en 92-93. Puis, on avait embarqué dedans, puis on avait fait le tour de la ville en autobus électrique. J'avais bien aimé parce que c'était totalement silencieux. Alors que les autobus faisaient du bruit, ça sentait rien. Ça sentait ce que nous autres, on sentait, là, dans le fond. J'avais été impressionné par tout ça. Bon, puis je me disais, ça va se répandre assez rapidement. Mais finalement, c'est que ça a pris plus de temps que je pensais. Mais là, au Québec, on a une compagnie qui s'appelle E-Lyon, qui va faire toutes sortes de véhicules. Là. Elle va faire des véhicules de transport, des autobus, des minibus, des camions. Il y en a de toutes les sortes. Là. Et cette compagnie-là est en train de prendre les devants là, par rapport même à la compagnie Tesla, qui va faire aussi des camions. Le gouvernement va aider là-dedans. C'est sûr que les autobus qui coûtent plus cher, ils coûtent le double, les autobus électriques, que les autobus au gaz ou au diesel. Mais c'est l'avenir, parce que ces autobus-là vont durer beaucoup plus longtemps. Ils vont être fabriqués davantage en aluminium aussi. Ça va permettre aussi d'améliorer notre qualité de l'air, etc. Moi, j'y crois beaucoup, puis je suis d'accord avec ça que le gouvernement mette de l'argent dans ça. Pour donner un exemple, là, c'est qu'un autobus scolaire ordinaire, les autobus jaunes là, qu'on a, ça coûte à peu près 125 000 $ alors qu'un autobus électrique coûte 285 000 $ C'est beaucoup plus, mais c'est sûr que quand c'est pas fait en série au début, ça coûte beaucoup plus cher. Mais j'espère et je crois que les prix vont finir par baisser et que peut-être qu'on deviendra des leaders mondiaux là-dedans. C'est quelque chose sur lequel on doit miser parce que nous autres, on a de l'expertise. On a Hydro-Québec, on a des compagnies d'aluminium, on a de l'électricité à plus savoir quoi en faire. C'est quelque chose sur lequel on doit miser. Puis je pense que c'est bien parti pour cette entreprise-là qui va développer de plus en plus de produits intéressants. On parle maintenant d'institutions financières qui se donnent, on pourrait dire, des beaux objectifs d'améliorer, à changer la société. On parle entre autres de la National Bank of Australia, qui fut la première institution financière incluse dans le classement des sociétés qui changent le monde. C'est-à-dire que là, souvent, avant, ou en tout cas même encore aujourd'hui, souvent on dit que c'est les idéalistes qui changent le monde, les utopistes ou en tout cas ou les fous peut-être. Souvent, quand on veut changer le monde, on passe pour des fous au début. Là. Toutes les inventions qu'on a aujourd'hui, bien, ils ont déjà été décriées comme complètement impossibles, complètement folles. Là. Puis, c'est que quand on veut changer la société, il faut accepter de passer pour un fou pendant un bout de temps. C'est pas grave. Là. Faut vivre avec ça, comme on dit. Mais la National Bank of Australia, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que Elle lui dit que non seulement elle voulait aider des gens, mettons, en donnant des fois des prix ou en tout cas donner des petites subventions à des organismes, mais elle a décidé d'aider vraiment les gens les plus mal pris. Puis, entre autres, là, c'est qu'elle disait qu'en Australie, il y avait une personne sur cinq qui n'avait pas de compte de banque, puis qui n'était pas capable d'emprunter, puis qui était mal pris, puis qui était obligé de passer par des file-up, puis qui se faisait arranger le portrait, comme on dit. Fait que là, elle a décidé d'avoir une approche particulière pour les gens les plus démunis. Puis elle a développé une société qui s'appelle Good Money. Ça veut dire que, tu sais, c'est le bon argent. Puis c'est comme des mini-succursales, puis ils s'occupent du monde qui sont plus mal pris. Puis entre autres, ils offrent des prêts sans intérêt de 100 $ à 1 500 $ pour aider le monde, des fois, à soit rembourser une dette.
ou soit d'acheter un ordinateur, soit pour développer des compétences. Ça veut dire que dans le fond, c'est que ça permet à des gens qui veulent s'en sortir de pouvoir avoir accès à des affaires qu'ils n'auraient pas eu accès autrement, parce que quand tu payes 10, 15, 25, 30 % d'intérêt comme les FILOC, bien là, tu t'en sors pas. Là. Ça fait que là, eux autres, ils ont développé cette expertise-là. Puis ils disent aussi que les gens qui veulent développer des entreprises, ils peuvent prêter à des faibles taux d'intérêt. Ça fait que c'est drôlement intéressant. En tout cas, je ne savais pas que ça existait. Puis aussi, c'est qu'ils offrent des prêts, mais aussi des conseils financiers. Puis on dit que les employés sont formés pour offrir des services connexes aux populations dans le besoin. Tu sais, quand tu es mal pris, ça peut arriver que tu aies des bonnes idées, mais que tu ne connaisses pas toutes. Là. Ça fait que là, ils sont capables d'aider ces gens-là. Puis on dit aussi que dans le fond, le taux qu'ils donnent, eux autres, là, c'est la moitié de ceux des prêteurs privés. Ça fait que c'est toujours très avantageux. Puis ils disent aussi que non seulement ils s'occupent de la clientèle, mais leurs employés réguliers, ils les font travailler dans ces succursales-là de Good Money pour qu'ils puissent comprendre que c'est pas tout le monde qui a de l'argent, puis qu'un jour, ce monde-là, peut-être qu'ils en auront, puis ils feront en faire avec d'autres mondes. Là. Ça fait que je trouve ça très intéressant. Puis eux autres, ils disent là, que le président disait là, que nous migrons vers la création de valeurs partagées où l'entreprise cherche des modèles d'affaires qui génèrent à la fois des revenus et un impact social. Ben, je suis persuadé qu'il y a de l'avenir pour ce genre de choses-là, puis j'aimerais ça. Nos caisses populaires embarquent là-dedans, là, ça pourrait être une belle avenue. En tout cas, je pense que s'il y a moyen, je vais en parler avec le boss des caisses populaires. Une société, ça s'améliore quand il y a toutes sortes de monde qui se mettent ensemble. Des individus, des partis politiques, mais aussi des entreprises. Quand tout le monde se rend compte qu'ils ont quelque chose à faire, c'est là que ça s'améliore, c'est là que ça change. Ben moi, je vous dirais que je suis optimiste pour l'avenir. On reçoit aujourd'hui à Option Région M. Léandre Bergeron, pour les gens qui sont de mon âge, vont se rappeler de lui. Entre autres, c'est un linguiste qui a été l'auteur du Dictionnaire de la langue québécoise qui a été édité en 1980. Ce dictionnaire-là avait fait beaucoup jaser à l'époque. Il y avait eu des louanges, il y avait eu des critiques aussi. Mais également, c'est pas simplement qu'un auteur de dictionnaire. Il a été professeur à l'Université Concordia à Montréal, également au Collège militaire royal du Canada. Il a publié plusieurs ouvrages, dont le Petit manuel d'histoire du Québec, un manuel de l'accouchement à la maison, de nombreux ouvrages aussi à caractère historique sur les patriotes, la question nationale, et même sur la nécessité de faire la Révolution. On pourrait dire que c'est un personnage hors de l'ordinaire, un homme vrai, libre et engagé, comme il n'y en a pas beaucoup. Et je dirais que c'est quelqu'un qui aurait pu choisir de garder son poste à l'université avec des bonnes conditions, des bons salaires, mais il a préféré quitter l'université pour aller vivre en Abitibi, dans un rang, on pourrait dire, et il a fait beaucoup de pain. C'est pour ça qu'entre autres, vous voyez à l'écran là, qu'on peut voir là, M. Bergeron en train de faire du pain. Et on commence notre entrevue en parlant d'abord du Dictionnaire de la langue française qui a été édité en 1980. C'était Victor Lévy-Beaulieu, éditeur à l'époque. Mais ce dictionnaire-là est encore disponible, entre autres en format de poche aux éditions Typo. Vous pouvez l'avoir en communiquant directement avec M. Bergeron. On vous donnera le site Internet là, à la fin de l'émission. M. Bergeron, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grand plaisir. Je voudrais savoir tout d'abord, comment vous est venue l'idée d'écrire un dictionnaire de la langue québécoise, puis comment vous avez fait pour ramasser tous ces mots-là pour former un dictionnaire là, qui a plusieurs centaines de pages, là, presque 600 pages? Bon, d'abord, dans les années 60, il y a un terme qui a été utilisé pour la langue québécoise qui était le joual. Et moi, ça m'a offusqué, c'est pas possible que quand même un peuple, l'élite d'un certain peuple, parle d'un langage d'animaux. D'abord, c'est une insulte au peuple québécois. Et c'est une insulte aux chevaux aussi, parce que les chevaux communiquent bien à leur façon, et puis on peut communiquer jusqu'à un certain point avec eux assez bien. Bon, alors écoutez-moi, moi ça m'avait tellement choqué, Victor Lévy était un ami à moi là, on avait travaillé dans l'édition,
Et je lui ai dit, ça n'a aucun sens, je suis prêt à écrire un dictionnaire de la langue québécoise, c'est-à-dire rapailler tous les mots proprement québécois, ou enfin des sens de, bon, des mots français, mais qui ont un sens québécois particulier. Et je me suis mis à l'œuvre, ben, j'avais déjà commencé à ramasser beaucoup de mots, parce que à la suite de la publication du petit manuel d'histoire du Québec, j'ai été appelé à voyager beaucoup à travers le Québec, faire des conférences, tout ça. Et là, dans ces rencontres-là, j'ai commencé à ramasser des mots proprement québécois, avec l'idée à un moment donné qu'un dictionnaire québécois se fasse. Et voilà. Ensuite, quand j'en ai parlé à Victor, il m'a dit, ben, écoute, moi, je vais te trouver toute la documentation qu'il te faut, tu te mets à l'ouvrage et puis on va publier. Puis Alors, combien de mots vous avez ramassés dans la première version? Puis il y a eu aussi un supplément qui était fait plus tard. Au total, combien de mots vous avez répertoriés? je me souviens à peine, c'est dans les 50 000. Enfin, c'est un beau paquet, oui. Puis quand le dictionnaire a été sorti, quelles ont été les principales réactions positives ou négatives? Ben, évidemment, les gens ordinaires, disons les gens du peuple québécois comme tel, ils ont été enchantés. Enfin qu'on valorisait la langue qu'ils parlaient. Mais l'élite québécoise qui dit qu'on devrait parler le français de France a été très offusquée. Alors là, on m'a traité de tous les noms, de barbare, de... Ah oui, Parizeau a parlé de moi comme un obscurantiste. Vous imaginez? Faire un dictionnaire comme ça, je me fais, en tout cas. Et puis ensuite, il y a eu les événements en particulier. J'ai fait tous les salons du livre à l'époque avec le dictionnaire. Et puis, justement, à un moment donné, il y a un jeune qui dit, oh mais Léandre, j'ai eu ton dictionnaire pour rien. J'ai dit, ah oui, tu l'as volé. Il dit, ben non, je travaille au ministère des Affaires culturelles. Et je l'ai trouvé dans la poubelle. Merveilleux, merveilleux. De ce que je connais de vous, vous n'avez pas un passé qui est tellement militaire ou monarchique. Là. Vous n'avez pas beaucoup d'atomes crochus, on pourrait dire, avec le monde militaire et monarchique. Comment vous sentiez-vous quand vous enseignez quand vous avez enseigné au Collège militaire royal du Canada? Oh, ça a été pénible, ça. Ça, c'est dans les années 60. Ben, là, j'ai vraiment découvert ce que c'était que l'endoctrinement militaire. Et puis, c'était épouvantable à vivre. Et enfin, tous les pauvres officiers, futurs officiers, là, devaient subir cette propagande incroyable. Non, moi, j'ai enseigné là pendant 3 ans. Parce que je revenais de France, puis je cherchais un emploi, j'ai eu la chance d'entrer là. Et ça a été, le racisme anglophone vis-à-vis les Québécois, on le sentait là, tiens, on en mangeait tous les jours. Et ça m'a permis de comprendre, oui, parce que j'ai publié aussi des livres sur l'école et tout ça, et puis. Je constate que ben, l'école obligatoire est essentiellement une création d'un pays, la Prusse, régime militaire. On endoctrine les enfants pour le patriotisme prussien à l'âge de 6 ans. Ça remonte à 300 ans en arrière. Vous avez quitté Montréal à un certain moment donné, assez rapidement, puis vous avez dit dans une entrevue, si je me rappelle bien, vous avez dit que la ville vous rapetissait. Est-ce que c'est l'expression que vous avez utilisée? Puis est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous sentiez, là, pourquoi vous avez quitté la ville, dans le fond? Je me sentais dans une toile d'araignée, une mouche dans une toile d'araignée. Je me sentais prisonnier, oui, jusqu'à un certain point de tout un système, là. D'abord, il faut payer le loyer, il faut prendre le métro et être encadré dans l'université elle-même. Moi,
J'ai toujours été révolté par tous les cadres qui veulent essayer de me limiter. Et même si j'avais un bon salaire, tout ça, ça me fatiguait. Puis ensuite, au niveau politique, mais il y a aussi l'aspect politique et écologique aussi, je vais en parler. J'avais été assez actif dans la gauche. Le petit manuel avait été un gros succès. Et après un certain temps, là, j'ai osé critiquer le Parti québécois naissant à l'époque. Et là, ça a été très mal vu. À l'intérieur du PQ, on a commencé à me traiter d'à peu près tous les noms, que j'étais un agent de l'impérialisme américain, que, enfin, tout et tout et tout. Et bon, quand j'avais publié un petit manuel, ils avaient trouvé ça formidable. Ils ont essayé de m'attirer dans leur clan. Puis moi, ben, le dogmatisme, ça me plaît pas beaucoup. Alors j'ai dit non, j'ai pas du tout envie de militer dans votre groupuscule. Alors ils sont retournés contre moi, puis là, ils ont commencé à me dénoncer comme justement un agent de l'impérialisme américain, tout ça. Et politiquement, j'étais coincé à Montréal. Ma job, ça ne me disait plus rien d'enseigner dans ce milieu-là. Et ce qui me déplaisait beaucoup, c'est que il fallait flusher, hein, dans le Saint-Laurent. Au point de vue écologique, je ne sers pas de bon sens d'être, hein, dans une ville qui envoie ses déchets dans un fleuve comme ça. Et j'ai dit, bon, je vais quitter. Oui, je ne pouvais plus en dire, peu importe l'argent, tout ça. Je m'en vais en Abitibi, le coin le plus méprisé du Québec, parce qu'on pourra en reparler si vous voulez, de l'Abitibi. À ce niveau-là, j'ai dit non, je vais m'installer là-bas, essayer de monter une petite ferme, et puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui vous a désolé le plus dans l'histoire du Québec, et qu'est-ce qui vous a rendu également le plus fier? Autrement dit, ce que vous avez aimé le plus dans l'histoire du Québec, c'est ce que vous avez aimé le moins? Il faut dire que je n'ai pas trop de préférence. J'ai voulu décrire dans le petit manuel d'histoire du Québec l'exploitation systématique, et en l'occurrence l'impérialisme britannique que j'ai dénoncé. Et évidemment, ça visait aussi les Canadiens anglais, parce qu'eux, ils étaient très british, enfin, ils ont évolué quelque peu, mais. À l'époque, moi je l'ai vécu au Manitoba, le racisme. Imaginez quand vous êtes des francophones ensemble, une quarantaine, disons, et il suffisait qu'un enfant anglais, enfin parlant anglais, arrive, tout le monde se mettait à parler anglais. Vous voyez? Un réflexe de coloniser, ça, je l'ai senti, je l'ai vécu. Et puis, au même, il faut que je vous raconte un incident assez marquant dans ma petite vie. J'ai suivi un cours de pédagogie à l'Université du Manitoba. Là, un jour, un autre franco-manitobain et moi, on se retrouve dans le lounge, enfin la salle de repos des étudiants. Mais on était tout seul et on se parlait dans notre langue, le français, enfin ce qu'on appelle le français du Manitoba. Et voilà que un professeur, une femme, bon, je me souviens bien, elle s'appelait Madame Boyce, elle passe dans le couloir et elle nous a entendu parler notre langue à nous. Bon, au cours suivant, elle nous a traités de polissons, de mal élevés, en fait, tous les mots orduriers possibles pour nous dire qu'on était des barbares, quoi, que c'était une insulte à cette personne-là en particulier, mais comme si j'insultais le pays en entier en parlant le français manitobain. Ça, une expérience comme ça, je me suis dit, là, là. J'ai pas réagi, je ne l'ai pas insulté, je n'ai rien dit en fait. Mais j'ai dit, un jour, je vais vous répondre. Et en fait, ma réponse, ça a été le petit manuel d'histoire du Québec qui dénonce systématiquement, qui dénonçait systématiquement l'Empire britannique et
l'influence que ça a eue. Vous avez été un pionnier aussi dans la production de produits locaux. Vous avez vendu du pain, d'autres sortes de produits aussi, boulanger, pendant plus de 30 ans. Mais vous avez eu constamment des démêlés avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui voulait vous fermer. Puis, est-ce que vous pourriez nous résumer ça, là, cette saga-là? Comment ça a commencé puis comment ça s'est terminé? Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas vous donner de permis pour pouvoir produire du pain chez vous? Bon, ben, la loi, les règlements du MAPAC disent vous ne pouvez pas vendre du pain fait dans votre propre cuisine à un commerce. C'est bien clair. Et évidemment, moi, j'ai commencé à faire du pain, mais je n'ai pas demandé permission à personne, ça va de soi, vous imaginez bien. Et là, il y avait un groupe d'achat qui avait un local à Noranda et qui m'ont dit, « Léon, pourquoi tu ne pourrais pas... » Moi, j'avais commencé à faire du pain, puis je circulais parmi mes amis pour le vendre parce que j'avais plus une scène, enfin. Ça a commencé comme ça, puis ça a bien démarré. Je revenais avec 10-15 piastres dans ma poche dans une journée, j'étais « Hey, wow, formidable !» Enfin, ça a grossi, et puis j'ai justement fourni du pain bio là, à ce groupe d'achat. Mais évidemment, là, les inspecteurs du MAPAC passaient régulièrement là. Et bien, comment ça se fait que ce pain-là? Puis, j'étais pas là, mais enfin, à un moment donné, je livrais là, puis l'inspectrice était là. Ben, j'ai dit, écoutez, nos cuisines ne sont pas nécessairement des sous à cochon. Je veux dire, on peut être très propre et impeccable, même, et encore plus que dans certains ateliers où, des employés. Ne sont pas toujours conformes au règlement. Mais on m'a laissé tranquille pendant quelques années. Et ensuite, là, il y en a un qui est venu chez nous. Il a dit, je viens pas faire l'inspection parce que vous n'avez même pas le droit de faire de pain ici. J'ai dit, pas de problème. Moi, tout ce que je veux de vous, monsieur l'inspecteur, c'est que vous me donniez tous les noms de vos supérieurs jusqu'au premier ministre du Québec. Ce qu'il a fait, le lendemain, j'avais toute la liste, j'ai écrit une lettre de 3 pages pour bien leur expliquer que mes véritables inspecteurs, c'était mes clients et non pas le gouvernement. Et que je respecte assez le monde pour offrir quelque chose. Puis même que je disais, les gens peuvent venir chez moi, n'importe quand, voir comment je fais le pain et tout ça, je veux dire. Et là, on m'a laissé tranquille pendant une dizaine d'années. Au début des années 2000, ils sont revenus à la charge. Et là, ils m'ont dit, j'étais 5 avant ça, avec un vétérinaire en plus. Et puis, ils croyaient m'intimider beaucoup, ça a l'air. Mais j'avais dit, écoutez, vous avez un gros problème avec moi. Moi, j'en ai pas avec vous, mais je crois qu'on peut réussir à résoudre le problème, je vais donner mon pain. Et puis, à ce moment-là, votre loi, vous faites ce que vous voulez avec, mais elle ne s'applique plus. Alors, ils ont ri de moi. J'ai dit, vous pouvez bien rire, mais je vais le faire. Et je l'ai fait. Et ça a très bien réussi. Au contraire, les gens ont été très positifs à mon égard. Et puis, il y avait même à côté de la caisse une petite tasse où c'était écrit « Au monde pour le boulanger ». Oui. Alors, j'ai fonctionné comme ça encore un bon bout de temps. Et puis, ils sont revenus à la charge il y a quelques années. « Non, monsieur, vous vendez votre pain. » Là, j'avais dit, écoutez, votre système est excellent pour les industriels du pain. Mais moi, je ne suis pas un industriel. Mon idée, ce n'est pas de faire de l'argent. Mon idée, c'est le plaisir de faire un produit sain que les gens peuvent apprécier. Et puis, qu'ils me fassent une contribution volontaire, moi, ça me suffit. Oui. Et là, ça a été, mon Dieu, combien de comités du MAPAC m'ont contacté pour dire, mais non, j'ai dit, écoutez, votre problème, c'est que vous ne savez même pas
faire la différence entre un pain industriel et un pain naturel, artisan. Un pain artisanal, si on veut. Et là, il y a eu des échanges assez corsés. Mais j'ai dit, écoutez, là, ça suffit. Là, s'il vous plaît, la prochaine fois, ce que je veux de vous, c'est un message qui m'invite à participer à un comité qui va rédiger des règlements pour la production artisanale et non pas industrielle, c'est tout à fait différent. Et depuis ce temps-là, ils m'ont pas achalé beaucoup. Ils ont arrêté de... Ils attendent peut-être juste que je meure pour régler le dossier. En terminant, Monsieur Bergeron, vous avez fait toutes sortes de beaux produits dans votre vie. Est-ce que vous avez des coups de cœur pour des produits des autres, des gens que vous connaissez, des produits que vous aimeriez faire connaître à nos auditeurs, à nos auditrices? Oh là là! Qu'on produise local et que ce soit apprécié par les gens, c'est ça. Promouvoir autant que possible les productions, oui. Et puis ça se fait de plus en plus d'ailleurs, hein, quand on pense à tous les fromages qui se font au Québec actuellement, quand on retourne en arrière, il y a 30 ans, là, c'est à peu près zéro, hein. Monsieur Bergeron, on vous remercie beaucoup pour votre réflexion. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, deux entrevues. On a une entrevue avec Roméo Bouchard qui va nous parler d'un livre qu'il va publier très bientôt sur les personnages importants de l'histoire de sa municipalité Saint-Germain. On a également l'entrevue Claire Bolduc, qui est l'ancienne présidente de Solidarité rurale, l'ancienne présidente de l'Ordre des agronomes, qui a décidé de faire le saut en politique et qui est devenue la première préfète élue au suffrage universel de la MRC du Témiscamingue.